Mais pour l'heure, on démarre cette émission avec le tableau final de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on l'a dit, Isaac Makolé, on connaît toutes les affiches des huitièmes. Ça y est, enfin, les affiches sont connues, les huit affiches justement des huitièmes de finale. Ça commencera samedi avec Angola-Namibie. Ça sera le premier match de ces huitièmes de finale. Il y aura également Nigeria-Cameroun, ces deux équipes qui se retrouveront peut-être en quart de finale, donc face à l'Angola ou la Namibie, Cap-Vert-Mauritanie, Maroc-Afrique du Sud sur le côté gauche du tableau, et à droite, Égypte-République démocratique du Congo qui s'est qualifiée ce soir. La Guinée équatoriale face à la Guinée, Mali, Burkina Faso, et enfin le choc de ces huitièmes de finale, ça sera entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Rendez-vous le lundi 29 janvier à 20h GMT sur Canal Plus Cannes. Et on commence ce soir de Cannes par l'une des principales informations de la journée. C'est donc la qualification des éléphants des Côte d'Ivoire, mais aussi la décision du comité exécutif de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, tout simplement de mettre fin au contrat du sélectionneur Jean-Louis Gasset pour résultats insuffisants et de confier les rênes de l'équipe à son ancien adjoint Emersa Faye, ancien international. Et puis Guy Demel, sélectionneur des U23, qui va donc séconder Emersa Faye. Vous confirmez l'information, Guy? Oui, je la confirme, Charles, effectivement. Bravo. Premièrement, comment vous appréhendez tout simplement cette nouvelle? Et déjà, la nouvelle de la qualification, est-ce que vous êtes soulagé? Dans un premier temps, c'est-à-dire que la décision elle a été prise par la FIF. Il faut savoir que c'est Jean-Louis Gasset lui-même qui a présenté sa démission. Le président s'est donné un temps de réflexion, puis les autorités, le ministre des Sports, a dit qu'il fallait l'accepter. Donc, ils ont mis MS Faye. À ce moment-là, ils ont pris contact avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un honneur. Je dis souvent que lorsque le pays vous appelle, même si la situation est compliquée, il faut répondre présent, essayer de donner le meilleur de soi, donc c'est ce qu'on va faire. Et vous avez dirigé aujourd'hui votre première séance. Comment ça s'est passé, surtout dans quel état d'esprit se trouve le groupe? Écoutez, hier, ils ont eu l'autorisation d'avoir les familles. Donc déjà, l'idée, c'était de faire en sorte de gérer un peu les émotions. Et puis aujourd'hui, l'idée, c'était d'activer un peu les organismes. Donc c'était une petite séance de 45 minutes, vu qu'on était un peu dans l'attente du résultat de ce soir. Et bien évidemment, les joueurs sont peinés par la situation, par leurs prestations. Mais beaucoup étaient très attentifs, aux résultats de ce soir, afin de pouvoir, pourquoi pas, avoir une autre chance de démontrer au peuple ivoirien qu'ils sont bien là, ils sont encore en vie et qu'ils ont à cœur de montrer un autre visage. Voilà pour ces premiers mots du nouveau sélectionneur adjoint des éléphants des Côte d'Ivoire, qualifié donc pour les huitièmes des finales. Nabil, ça peut être un tournant, ça, le fait que la Côte d'Ivoire se soit qualifiée dans ces conditions-là pour la suite de la compétition? Oui, forcément, ils sont quasiment miraculés, parce qu'avec deux défaites, dont un 4-0, ils arrivent quand même à être en huitième de finale. Donc pour les joueurs, c'est forcément un soulagement. On a vu, on a senti même ici, au moment du coup de sifflet final, des manifestations de joie. Donc il y a une énergie positive qui revient. Maintenant, il y a un choix qui a été fait. Bon, on a vu qu'il y avait pas de, y avait-il un pilote à la tête de la Côte d'Ivoire? On a vu que sur le premier tour, c'était compliqué. Il y a un électrochoc qui a été activé. Quoi de mieux que se remettre en selle face à une équipe championne d'Afrique en titre comme le Sénégal? C'est acquis tout double. Youssoufa, vous avez dit, vous serez un peu concerné par ce match. Vous avez des origines sénégalaises, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup d'amis ivoiriens. Ouais, mais ça, que vous inspire cette situation? Ça va être un match quand même compliqué pour la Côte d'Ivoire. Après, c'est normal, après avoir traversé des débâcles pareilles, que ce soit eux qui finalement attrapent l'épouvantail, sinon ça serait pas équitable. Mais après, les garçons savent que tout est à refaire pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est paradoxal, c'est que ce soir, la Côte d'Ivoire n'a pas joué, mais autour de nous, la ville est en ébullition. C'est vrai. Et c'est ça, c'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire est très investi. Mais par contre, l'équipe, pour l'instant, n'était pas alignée. C'est une nouvelle compétition qui commence, on leur souhaite d'aller loin, mais contre le Sénégal, je ne crois pas. Mamad, on doit se méfier côté sénégalais de cette équipe de Côte d'Ivoire retrouvée miraculée, qui donc s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Oui, bien évidemment, on se méfie de la Côte d'Ivoire, parce que déjà, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, ça peut créer un choc psychologique, un électrochoc. Et ils ont envie aussi de laver l'affront du dernier match de poule, où ils ont pris un 4-0 qui leur a fait très très mal. Donc il va falloir se méfier, ils vont vouloir se racheter, et ça va être un match très compliqué pour nous. Un ouf de soulagement pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée enfin.
La Côte d'Ivoire s'est qualifiée enfin. La Côte d'Ivoire peut pousser un ouf de soulagement. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres, on va travailler cette vidéo et sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le second tour. Qualification de la Côte d'Ivoire via la victoire du Maroc. C'est parce que le Maroc bat la Zambie que la Côte d'Ivoire se retrouve meilleure troisième. Sinon, sans le Maroc, la Côte d'Ivoire ne devait jamais se qualifier au second tour. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. En gros, ça signifie que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné parce qu'elle est trop forte. C'est juste qu'elle a gagné par le biais d'une autre équipe. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va... ils vont se remobiliser. Ils vont essayer de trouver ce qui n'a pas marché pour se rebondir. Parce que s'ils continuent avec ce que j'ai vu la face à la Guinée, je vous assure qu'ils n'ont aucune chance face au Sénégal. S'ils jouent ce ballon-là face au Sénégal, le ballon qu'ils ont joué face à la Guinée équatoriale, s'ils jouent ce même football face au Sénégal, ils n'auront aucune chance. Ils n'auront aucune chance, les amis. Ils doivent sérieusement hisser le niveau du jeu. Ils doivent sérieusement hisser le niveau du jeu. Et les amis, c'est pas que la Côte d'Ivoire n'a pas l'effectif. Lorsque tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, c'est un effectif de qualité et de quantité. C'est un effectif de qualité et de quantité. La Côte d'Ivoire s'est permis même de ne pas prendre Wilfried Zaha. La Côte d'Ivoire n'a pas pris Wilfried Zaha. Ça en dit long. Ça en dit long sur le potentiel de ce pays. Ils ont un réservoir de joueurs incroyable. La Côte d'Ivoire a un réservoir de joueurs incroyable. On se pose encore la question. On se pose encore la question. Comment la Côte d'Ivoire a fait pour prendre une des tasses face à la Guinée équatoriale? Parce que ça s'appelle l'humiliation. La Guinée équatoriale a carrément humilié la Côte d'Ivoire à domicile. Tu joues devant ton public, devant ta famille, et tu te fais humilier ainsi. Tu te fais humilier parce que ça s'appelle l'humiliation. J'espère qu'ils vont rebondir face au Sénégal. Ils ont intérêt parce qu'ils jouent à domicile, ils jouent chez eux. Ils seront certainement revanchards. Mais pour qu'ils soient revanchards, il faudrait qu'ils proposent un autre visage que le visage qu'on a vu face à la Guinée équatoriale. Parce que c'était vraiment catastrophique. Catastrophique, tu prends 4 buts, 4-0, 4-0. C'est même pas que tu prends 4-0, peut-être contre, c'est pas trop contre l'Égypte, ou alors contre, c'est pas un grand du continent. Tu prends 4-0 contre la Guinée équatoriale. Avec tout le respect que j'ai pour la Guinée équatoriale, mais la Côte d'Ivoire ne doit jamais prendre 4-0 face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire ne doit jamais prendre 4-0 contre la Guinée équatoriale. C'est vraiment une erreur professionnelle. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va laver son linge sale face au Sénégal. Mais ça ne sera pas vraiment facile. C'est un très gros morceau pour le Sénégal et même pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr que le Sénégal soit content de tomber sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr. Certes, la Côte d'Ivoire est sortie troisième, mais je ne suis pas sûr que le Sénégal soit fier d'affronter la Côte d'Ivoire maintenant en huitième de finale. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Donc, même le Sénégal craint la Côte d'Ivoire parce que lorsque tu regardes cette équipe de Côte d'Ivoire, ils ont quand même l'effectif. Ils ont l'effectif sur toutes les lignes. Tu as Sangare, Kessié et Sékou Fofana. C'est costaud. C'est un milieu très costaud, sans compter qu'en attaque, les Max Alain Gradel sont même sur le banc. Gradel est sur le banc. Tu as des mecs comme le Christian Kwame. Il y a vraiment un potentiel. Il y a du potentiel. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire, oui, c'est une équipe qui a les armes de battre le Sénégal. Mais si elle ne joue pas contre le Sénégal, avec le football qu'ils ont joué face à la Guinée équatoriale, je vous assure qu'ils n'auront aucune chance. Heureusement que les Ivoiriens sont vraiment conscients. Ils savent
pertinemment que s'ils ne partent jouer ce même football, ils n'auront aucune chance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont viré leur entraîneur, Jean-Luc Gasset. C'est pour ça qu'ils ont viré leur entraîneur pour apporter un nouveau souffle. Espérons que ça leur soit bénéfique. Espérons vraiment. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite sa qualification? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.